Vous avez défendu la sélection à la fac. Vous avez attaqué les bloqueurs quand ils étaient contre la sélection à la fac. Alors que la sélection à la fac, ça touche principalement les classes populaires, les immigrés. Alors maintenant, vous venez parler prolétaire, mais vous vous foutez de qui? Regarde-moi avec cette tête, toi. Regarde-moi avec cette tête. À la fac, on vient étudier. Non. Vous venez militaire. Vous venez implanter vos idées dégueulasses à la fac. Vous êtes venu aujourd'hui. Vous étiez trop. Indigne. Il justifiait ses plaintes avec l'injustice d'un monde qui avait échappé à son propre monde, dont il s'était fait l'étranger. Sans le savoir. Car il défendait, comme un jouisseur défendu, ce qu'il ne pouvait défendre à l'intérieur. Un jouisseur d'extérieur que retient sa jouissance dans ce qu'elle procure, naturellement. Une jouissance bien en place qui ne change pas de place et ne se trompe pas de monde. On ne règle pas un problème, on dérègle une solution. Toute solution étant un raccourci qui rallonge l'étendue du problème, car toute solution est de croire l'autre monde à notre portée, comme si cette portée était mondialement accessible. Mais c'est en fait ne pas croire au monde que nous intériorisons. Ou alors, c'est vouloir mondialiser ce qui a été localement mis sous silence, à titre personnel, où chaque projection vers l'autre devient le titre d'une grande page de couverture, sans livre à vouloir livrer la vérité d'un sauveur qui peine à se sauver, car c'est matraquer l'objet de sa peine, comme on traque un rebelle qui braque ce qu'on a chouré chez lui. Une cause qu'il s'est appropriée pour ne pas s'occuper de la sienne. Je parle de la cause qui ne cause que sur lui-même et pas sur ce qui le provoque en écho, à ce qu'il a vécu comme provocation. Un écho de coco, envieux de ce qu'il n'a pas eu, car le coco envieux veut absolument tout avoir sauf son être. Ou alors un écho de bobo qui s'écoute parler du monde entier, monde qu'il divise en deux pour simplement faire entendre soit une haine sans amour, soit un amour sans haine, selon ce qu'il arrange dans telle ou telle situation. Parce que l'oppressé évoque avant tout son impossible vocation, celle de ne pas être devenu cet oppresseur rencontré à la naissance. D'ailleurs, ce qu'il déplore provient d'un manque dans ce qu'il n'a pu explorer. Un pleureur qui questionne l'objet de ses pleurs, un pleureur en quête de sujet. Il justifie l'injustice du monde avec ses plaintes, que son propre monde laisse échapper et dont il se fait l'héritier.